Et voilà, on en est à la moitié de notre petit séjour. C'est ça. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est en plein mois de novembre. Et normalement, il est censé faire froid, brumeux, enfin, temps d'automne, de fin d'automne. Ouais. Et du coup, là, on est, il fait beau, il y a du soleil, il fait plus de 20 degrés. Tout le monde est. Il fait super chaud. Mais du coup, le problème, c'est que les poissons, ils savent pas trop ce qui se passe. Et du coup, ils sont un peu entre deux eaux. Mmh. Et ils sont un peu inactifs, tout simplement. Ouais. Donc, pour nous, c'est dur de les décider. En plus, on s'est fait une petite session grand large ce matin. Avorté parce que voilà, les conditions étaient pas terribles, ouais, c'était voilà. Personne sortait de poisson. On a préféré économiser un peu nos forces et voilà. Donc, du coup, le flotte tube ça nous a un peu refroidi. Voilà, et puis c'est pas des pêches qu'on pratique beaucoup, hein. Pas trop notre philosophie de pêche de pêcher en pleine eau avec du gros leurre et tout ça. C'est nous, on pêche pas souvent comme c'est ça. Ouais, nous on est un peu plus finesse, quoi, c'est vrai. Et du petit matériel, des petites cannes et tout ça. Et là, pêcher tout de suite en flotte tube avec des plus grosses cannes, des plus gros leurres, en pleine eau surtout, ouais, en fait. Surtout ça. Parce que nous, on adore en fait aller chercher les poissons sur les postes, les débusquer. Et le grand large, c'est quand même de la pêche de pleine eau, quoi. Il faut par exemple pêcher, enfin, avoir un éco-sondeur, c'est quand même un plus. Voilà, c'est. Voilà, c'est pas des trucs qu'on pratique, pêches, quoi. Voilà, c'est des pêches qu'on pratique pas trop, donc on excelle pas dedans. En plus, les conditions aident pas, donc voilà, c'est pour ça qu'on a préféré. On s'est dit, allez, on va pas insister grand large, tout ça. Ouais. On va insister street fishing, et c'est ce qu'on va faire en fin de semaine. On va se faire le parc de la tête d'or, je pense, pour la fin de semaine. On va essayer de faire une deuxième bonne vidéo. En fait, par exemple, parce que voilà, pour le parc de la Tête d'Or, c'est un parc. C'est ça pour ceux qui connaissent pas. Ouvert au public, un peu comme un zoo, on va dire. C'est un zoo. Vous retrouvez des animaux à l'intérieur, voilà. Pour il y a des girafes, il y a plein de choses en fait, et il y a du poison. Des perches, ouais, par exemple. Ouais, c'est réputé pour être quand même assez poissonné. Ouais, quelques brochets. Et du coup, on va essayer d'aller quand même pêcher un petit peu là-bas. Ouais. Faire un petit peu de poisson, si possible, ça serait cool. Après, la météo change régulièrement. Ouais, on a vu que là, en cette fin de semaine... Il va faire froid. Ouais, il va faire un peu plus froid, peut-être un peu plus nuageux. Donc, pourquoi pas, ça peut être... franchement, on sait pas. Hein. Ouais, non, là, les conditions sont difficiles. Mais après, voilà, on essaie de sortir notre épingle du jeu. C'est pas évident, mais voilà, on essaye. C'est pas la meilleure période, mais c'est pas mal. Voilà. Donc, par exemple aussi sur quel poste on pourrait dire qu'on va insister, ça peut être intéressant oui, pour vous. Alors nous on a eu un peu des résultats sur sous les péniches par exemple. En street fishing. En fait, dans tous les couverts, tous les spots bien marqués. En fait, si on pêche en power fishing en pleine eau, on a rien. Si on pêche les postes vraiment marqués, on arrive à avoir des touches. Mm. Donc c'est plutôt pas facile non plus pour les décider, mais voilà, on va péniche, racine, c'est ça. Bordure, c'est ça. Tout ce qui peut être un peu encombré. Compliqué, quoi. Tout ce qui est compliqué à pêcher, mais c'est ça qui est cool. Ouais, t'as tout résumé là, c'est exactement ça. Donc, Donc il restera sûrement un épisode à venir. On va essayer de tout faire en tout cas pour vous faire un épisode. Un petit vlog de bilan. Voilà, un petit vlog de bilan un peu après. Voilà tout. On vous dit donc à bientôt pour le prochain épisode. Et puis d'ici là, si vous allez à la pêche, bonne chance si les conditions sont un petit peu pareilles. Sinon, à la prochaine sur la chaîne. Salut.